شكرا au professeur Neda pour cet exposé qui était très clair, qui nous a apporté beaucoup d'informations avec votre facilité d'exposition. Donc, avant de passer des questions à mes collègues qui siègent avec moi dans la modération, je voudrais quand même vous poser une petite question. Oui, donc, merci. Je reviens. Shukran. Je sais que ce n'est pas la thématique principale, mais maintenant, nous vivons une période assez particulière où on se pose beaucoup de questions par rapport à l'apport d'une nutrition équilibrée pour renforcer notre équilibre, notre défense immunitaire. D'ailleurs, c'est la question de beaucoup des patients, en fait, et des parents des patients. Quelles sont les carences, en fait, qui interfèrent avec l'immunité à court terme, surtout dans la défense anti-infectieuse et antivirale principalement? Est-ce qu'on peut suggérer des apports, des substitutifs de ces carences en prophylactique ou bien en curatif? Donc, voilà. Alors, pour des apports... Merci. Oui, je réponds tout de suite ou bien je diffère à la discussion. Je passe la parole à mes collègues qui siègent. Alors, je réponds. Oui, bien sûr. Je réponds en français. On voudrait bien aussi. Alors, oui. En français et en arabe. Non, parce que... C'est pas facile, hein. En arabe, c'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile. Je suis convaincue. Donc, en français, s'il vous plaît. Alors pour la supplémentation, donc ça a été recommandé par rapport au, c'est-à-dire vous parlez de la COVID, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, c'est l'épidémie, voilà, c'est la pandémie. Donc, ce qui a été recommandé, c'est la vitamine D, le zinc et la vitamine C. C'est ce qui a été recommandé. Mais, pour les doses, pour la fréquence, ça n'a pas été bien, c'est-à-dire codifié. Et particulièrement par rapport au zinc, il y a ceux qui recommandent de le prendre en prophylactique, oui, mais qui le décommandent s'il y a infection en cours. C'est-à-dire si vous avez la COVID ou bien une infection X, hein, c'est pas par rapport à la COVID seulement. Donc, vous arrêtez le zinc parce que, comme on a vu, le zinc, c'est vrai que c'est un médiateur enzymatique. Il rentre dans plusieurs réactions immunitaires, mais principalement, c'est un freinateur. Donc, si vous n'avez pas de pathologie, vous pouvez prendre le zinc. Si vous l'avez, si vous êtes vraiment infecté, je pense qu'il serait prudent de l'arrêter. Mais bien sûr, il y a des avis qui divergent. Hein. C'est pas des recommandations, c'est-à-dire qui sont universelles. Mais pour la supplémentation, je crois qu'on peut se permettre, donc, vu l'état actuel. Mais ce que je recommanderais encore, c'est-à-dire plus, c'est de manger sain, varié, et vivre sain, tout simplement. Donc, une alimentation variée et saine va nous apporter c'est-à-dire tout ce dont on a besoin par rapport à notre immunité. C'est ce que je crois. Mais prendre un peu de vitamine D, vitamine C, ça ne va pas nous baiser, ça ne va pas faire de mal. Le zinc, c'est discuté. C'est tout ce que je peux vous apporter de plus. Merci, professeur Boutaïd. Donc, je pense... J'ai une petite question, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup, professeur Neda, pour ce brillant exposé. Alors, je voulais juste savoir, je ne sais pas si c'est le cas en Algérie, mais en tout cas au Maroc, nous avons beaucoup de ruptures de médicaments, de supplémentations médicamenteuses. Donc, à défaut de supplémentations qu'on retrouve en pharmacie, qu'est-ce que vous recommandez par rapport aux produits qui sont riches en vitamine C, en zinc, en sélénium? Qu'est-ce que vous pouvez recommander aux enfants et à quelle dose? Alors, pour la vitamine C, donc vous avez
une orange qui est excellente. Alors, j'ai eu la chance d'en goûter. Vous pouvez en prendre à volonté. Vous avez des oranges, Jenny. Franchement, elles sont superbes. Donc, vous n'avez pas besoin de supplémentation. Alors, pour le zinc, donc c'est les viandes rouges. Mais il ne faut pas en abuser parce que c'est discuté aussi par rapport à l'immunodépression. Donc, c'est les viandes rouges et les noix de cajou, si je me rappelle bien, c'est ça. Et pour le sélénium aussi, c'est généralement tout ce qui est fruits secs, fruits à coque, c'est-à-dire on peut le prendre. Et l'aliment le plus riche en sélénium, c'est les noix de macadamia. Chez nous, en Algérie, on ne les a pas. Mais chez vous, je ne sais pas si... Ça coûte cher, c'est pas... Non, c'est-à-dire, on ne peut pas les avoir carrément. Ils ne sont pas disponibles. Mais c'est vrai que la rupture des médicaments, c'est la même chose. Hein. On a le même problème. Hein. Que ce soit par rapport aux antibiotiques, l'azithromycine, ou bien tous les suppléments que vous venez de citer, ils sont en rupture, Yannick, depuis bien un bon moment. Ok, merci. Il faut bien manger, c'est tout. Merci. Pas de quoi. Merci, Madame Boutrid.